Ah, tu vois. So let's start. Welcome, everybody. This is going to be a little improvised parliament session. We have done a very, very fast script of the session. And at the beginning, I think, Luiso, you want to explain, to give us some context about the urban right whole project. Mm-hmm. And then I'm going to presentate to introduce the process we have now here in Arriesge. And after that, we are changing into French to go into the project more deeply. I think at the end of the session, maybe, in the half of the session, we are going to have a special guest. Is one of the person that has participated in the project. Her name is Marie-Pierre, and she's going to talk to us and to tell us what have his her thoughts about the project. So I let you, Luiso, introduce the Human Rights Project and give us some context. Okay, thank you very much. Bienvenue à tout le monde, welcome. Good evening. I'm going to just talk a little bit, a few words about the European rights. First is thank you everyone for joining us in another Urban Rights European Edition parliamentary session. Urban Rights, it's a project that has been going on and has quite a history. Actually, it counts its first parliament back in 2011. Urban Rights is designed as a methodology that collects and analyzes variable opinions over relevant matters of our communities. And it uses what we call the local parliament in order to do so. A parliament, at least for the urban rights community, is not a formal event of people dressed up in suits. It's a tool for gathering. So during the last 9 years, we have practiced this methodology quite a few times with the aspiration of creating an open democratic platform where there could be discussed urban and rural matters. This year, for the urban rights 2020 edition, we aim to expand the urban rights network by co-creating the European political scene and creating the first prototype for a European Parliament of Urban Rights. This autumn, we are presenting 8 events across Europe, 8 parliamentary sessions among 5 European embassies from Italy, Germany, Greece, Belgium, and this one in France. In these extraordinary circumstances we found ourselves in due to the global pandemic, we have asked the ambassadors of the European Parliament to think of how can we get together and reflect collectively on the matters of our local communities on these special moments. The challenge is to open a conversation in order to discuss the non-convenient, but the controversial aspects. And we believe that the best way to do so is not by giving answers, but by asking questions.
the space where we aim to do so is the space of a parliament. Now, there is not a fixed method to organize a parliament, so it's open to the interpretation of each one of the ambassadors. So today, and speaking on behalf of the Organization of Urban Rights, we're eager to see this RES version of the parliamentary session conducted by LabPlus, by Karin, Cecile, and Alfonso, and other friends. Thank you so much for putting all the effort for this event, and thank you everyone for your time. Thank you, Luiso, for this context. First of all, I want to thank you, Aurora, Luiso, for liberating this methodology, this urban right methodology, and to give us here in Arries this opportunity to do this project with so much freedom, because you were talking about methodology. It has been an inspiration for us, but we have done we had so much freedom to do this project. You are going to see that the project we have done here in Arries is not a parliament as usual. So I'm going to tell you briefly what we have done here in Arries. When we thought about the project, about this parliament session, we thought in doing two parts of the project. The first part is a set of intimate and informal conversation that we have recorded in the last weeks in order to gather personal testimonies on how different people here in Couserans is a part of Arries province here in France where we live have faced the confinement. And why we have chosen this subject of COVID confinement? Because for us, it's a common situation to all of us. I mean, we are all living the same condition, but each one of us has lived this condition in a different way. It's almost an excuse to see how we can experience the other people's situation. Why is this important for us? Because in this period of confinement, we have been more isolated than before, and we have wondered the following question before start the project. What if everyone's social environment has become narrower and less diverse? I'm very concerned here in Arries. I experienced several years that this is a wonderful territory, but it's also true that it's not very, very diverse. I meet all the time the same people, and people here are not very, very different from each other. So with this particular condition of the confinement, this diversity is even less than before, no? For us, it's very, very important. How can we share experiences about what other people are living? And this is a good subject for us, because we can talk freely about confinement, because we are all experts in our confinement.
talking about, we can feel more or less free talking about the experience we have in the last month. So in order to have this, in order to gather these testimonies, we have talked, for example, to a school teacher. By the way, is the school teacher of our daughter. We have talked with a retired artist that is living here in our little village. We have talked also to a researcher that is doing his job in a center here in a very close village too. We have talked also to a doctor, to a pediatrician that is working in the Saint Giron Hospital. We have talked also with elementary and high school students, also with a couple living in the mountains, trying to search a communitarian autonomy. We have talked to a librarian, we have talked to a designer, so many, many people, more or less diverse. And with all this material that we have recorded, we have made a podcast and we have called it Confiné en Couserans. And you can find this podcast in confiné.lab.plus. Confiné.lab.plus. Why we have chosen this format of intimate conversation? Because for us it was also very, very important to listen carefully to everyone and to create a comfortable environment to share personal experiences. A group conversation is not the same. You are not so free to express yourself. You have all the time people that speak more, people that is not very comfortable talking to a group. So this intimate space that we have created with every participant for us has been very, very important. And also we didn't want to create a discussion space. We didn't want to argue about the wrong and the right way to do things. We want just to listen to people. And the second part of the project is to meet each other. Once we have talked to everyone of the people, we want to meet all together and to put all these ideas or all these thoughts in common. Here we have had a little problem, and it's the confinement itself, because in France we have experienced the second confinement the last 2 months. So 2 days ago, the second confinement has finished, but we didn't know when we planned the project. So the first idea was to meet all the participants around a meal, to have lunch together and to discuss, to talk to each other in a convivial way. But this is not possible now. We hope doing this later in time. But now, right now, we have done this parliament to meet with each other in some way, but it's not the same. Anyway, this parliament
in this parliament, we want to share some thoughts, some testimonies. We want to present you the people that has participated in the project. And I think that's all. I don't know if Karine, Cecile, you have something to add, or we can change directly into France. Your presentation is perfect, Alfonso. Thank you, Karine. Perfect. So let's change into France. Okay. Allez, Alfonso. Allez. Allez, allez. Moi aussi, en français. Je vais parler trop aujourd'hui. Je dois changer la langue petit à petit. Excusez-moi. On souhaitait peut-être, c'est... Ouais. C'est réécouter un extrait, enfin, pas un extrait voilà. En fait, une conversation qu'on a eu avec Candela. Pour commencer, écouter une des conversations qu'on a enregistrées et qu'on a déjà montées, qui sont sur le site. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Candela, elle est collégienne et elle est en classe de 6e au lycée du Couserans. Au collège du Couserans, pardon, qui est à Saint-Giron, et c'est le gros collège qui est ici sur ce territoire. Voilà. Et pouvez-vous voir mon écran maintenant? On voit ton écran, il est flou, mais on le voit. Parfait. Le plus important, c'est le son. C'est qu'on entende le son. Allez, ça, les témoignages de Candela, la conversation avec elle. Ça dure à peu près 10 minutes. Donc, 8 minutes, je crois. Ouais. Ouais, si vous voulez, on va l'écouter. De témoignages réalisés dans les Pyrénées ariégeoises. Tu t'appelles comment? Candela Montoya. Et tu as quel âge? 11 ans. Ok. Et tu es étudiant, j'imagine? Tu fais où tes études? Au collège du Couserans. Ok, qui est à Saint-Giron. Oui. Ok, et tu n'habites pas à Saint-Giron, non? Non. Tu habites... Pouèche, Moulis. Ok. Et donc, pour aller au collège, comment tu fais pour aller au collège tous les jours? Le matin, je prends le bus. Et l'après-midi, des fois, je prends le bus ou il y a mes parents qui viennent me chercher. Très bien. Et en fait, pendant le premier confinement, tu étais encore à l'école, oui. Non? Comment ça s'appelle les dernières années de l'école? Le CM2. Voilà. Et maintenant, en septembre, pendant le deuxième confinement, tu as commencé le collège. Donc, tu as vécu les deux établissements scolaires, non? Oui. Et il y a une grande différence entre l'école et le collège? Le collège, c'est beaucoup plus grand. Okay. En plus, l'école de Moulis, elle est plus petite. Mm-hmm. Et oui, c'est beaucoup plus grand. Et après, il y a d'autres différences comme le self, les classes. C'est plus difficile? Non, parce que normalement, en 6e, on fait des révisions du CM2. Ok, ok. Bon. C'est très différent, les collèges. Bon, c'est vrai que c'est ta première année au collège, donc tu ne peux pas comparer trop, mais c'est très différent maintenant les collèges avec les mesures Covid? Non. Pendant une semaine, on est resté dans la même salle. Mm-hmm. C'était un peu bizarre. Dans la même salle qui? Dans la même salle de classe tout le temps, parce que normalement on change de classe. Ok. Ah oui, ok. Mais on a que fait ça pendant une semaine. Qu'on a arrêté. Et en début de l'année et maintenant avec le confinement, quand on passe au self, on passe par classe, on passe pas par sixième,
On se passe 6e 1, 6e 2, 6e 3. Donc c'est un peu différent. Ok. Et pendant le premier confinement, tu as fait l'école à la maison, non? Oui. Et comment ça s'est passé? Ben, c'était bien, mais aussi ça manquait un peu de voir les amis. En plus, c'était nouveau, c'était différent. Tu n'as pas vu tes amis de l'école pendant tous les confinements? Oui, sauf que après, on est rentré à ceux de les personnes prioritaires. On est rentré à l'école. On n'était que 5 dans toute l'école. C'était bizarre, mais j'étais quoi avec mes amis. Ok. Et tu les voyais, ou tu les appelais par téléphone, ou tu les voyais par Non. vidéoconférence, non? Non. On a fait une classe de mathématiques par vidéoconférence, mais sinon. Avec la maîtresse? Et avec la prof. Ah, c'est bien ça. Ok. Mais sinon. Bon, qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant les confinements? Ben, voir à mes amis plutôt. Mais ça, c'est un peu. C'était un peu énervant parce que c'était mieux en classe. Classe. Parce que. En classe à la maison, c'était un peu énervant. Plus les dictées. C'était un peu. Bizarre. C'est bizarre de que tes parents soient aussi Oui, les tes profs, profs, non? c'est bizarre. J'imagine. Ouais. Et au contraire, en fait, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire pendant le confinement, mais que finalement, tu as dit, bon, c'est pas plus mal, c'est bien, je vais continuer à pas faire ça, même si maintenant je paie. Je sais pas, y a rien. Non? Ok. Tu penses à des autres changements que tu as eu pendant le confinement, je sais pas, à tous les niveaux. Il y a des autres choses qui ont changé, que te vient en tête. Je sais pas, Par exemple, tu as passé plus de temps avec ton frère? Oui, c'était bien, mais par contre, on se disputait plus parce qu'on était ensemble J'imagine, beaucoup dedans. Du coup, voilà. Et j'imagine que tu as passé plus de temps aussi à la maison, évidemment. Oui, ça c'était bien, sauf que. Quand ils nous ont dit qu'on allait avoir le confinement, j'étais un peu bien. J'étais un peu contente parce que je pensais on va pouvoir se lever tard le matin, on va pouvoir rester toute la journée en pyjama. Mais en fait, on se levait à la même heure, on s'habillait. C'est comme si on allait à l'école, sauf qu'on le faisait à la maison. Donc, tu avais les mauvais côtés Oui. et pas les bons d'aller à l'école que c'est voir Oui. les amis. Ouais. Et alors, si tu devrais dire la pire chose du confinement et la meilleure chose? La pire chose, ce serait que les classes, elles sont plus drôles à l'école, puisque, je sais pas, c'est plus drôle de le faire avec tes amis, travailler en groupe et tout ça. Et la meilleure chose, ben, c'est que on était plus tranquille, on était bien à la maison. On était, je sais pas, on pouvait plus être à la maison. En famille. En famille, on pouvait. On n'est pas. On est plus relaxé. Oui, je comprends. Et du coup, tout ce temps que tu as passé à la maison, qu'avant tu étais par exemple en train de faire des activités périscolaires à Saint-Girons, qu'est-ce que tu as fait pendant le temps en plus que tu as passé à la maison pendant le confinement? Ben, T'as lu? j'ai lu, j'ai joué, je sais pas, j'ai
Je fais les devoirs un peu. En fait, c'était comme si on était à l'école, sauf qu'on n'allait pas à l'école, on était à la maison. Parce qu'on finissait à 5 heures, je crois, on commençait à 9 heures, on finissait à 5 heures. Du coup, bon, des fois, on faisait plus de devoirs le matin. Et après, comme ça, l'après-midi, on l'avait plus libre, voilà. Et des fois, on faisait plus l'après-midi et moins le matin. Et il y a eu quelque chose que tu as commencé à faire pendant le confinement et que tu aimerais bien continuer à faire? Me lever un peu plus tard. Parce que maintenant, je suis habituée à me lever beaucoup plus tôt qu'avant. Parce qu'avant, je me levais à 8h et là, je me lève à 6h30. Du coup, j'allais dire ça, mais c'est que maintenant, ça me paraît super tard se lever à 8h. Sauf qu'avant, c'était normal, c'était même se lever tôt. T'as Je sais repris pas. le rythme d'avant. Oui. Tu joues de la musique, non? Oui. Comment t'as fait pour jouer de la musique pendant le confinement ici? On faisait des classes par vidéoconférence, par FaceTime, avec le prof. On le fait toujours, puisque maintenant l'école de musique, elle ne l'ouvre pas. Et sinon, on travaille à la maison, comme on faisait quand il y avait les classes normales. Et ça te plaît ou... Ben, j'aime plus être dans la classe parce qu'en plus je suis dans un petit ensemble à cordes et c'est mieux le faire parce que là on pouvait pas le faire et c'était bien drôle parce qu'on avait tous les amis et tout ça. Et il y a des autres activités que tu dois faire depuis la maison? Non, il y avait rien d'autre. Je faisais de la danse mais bon on l'a pas fait parce qu'on pouvait pas le faire par vidéo. Du coup, non, il n'y avait rien d'autre. Et ça te manque un peu la danse? Oui. Normalement, cette année, j'ai fait le spectacle. Normalement, je devais arrêter parce que sinon, après, avec les devoirs, la danse, j'avais pas trop le temps d'être un peu relax. Et du coup, maintenant, comme il n'y a aucune activité, ben, je suis bien, je peux rentrer un peu avec mes amis et tout ça. Du coup, je crois que je vais arrêter la danse pour un peu être pour pouvoir un jour rentrer avec mes amis en bus et jouer dans le bus. Tu veux me parler d'autres choses? Et par rapport au confinement? Ben, c'était bien et à la fois c'était pas trop bien. Puisque quand on l'a su, tout le monde on faisait que parler de ça à l'école et tout ça. On pensait, ah ouais, ça allait être trop bien, mais il y en a d'autres qui pensaient, oh non, on va plus se voir entre amis et tout ça. Du coup, on ne savait pas si c'était bien ou si c'était mal. T'as eu peur du virus? Non, pas spécialement. Tu connais quelqu'un qui a été malade à cause de la COVID? Oui. Bon, il y en a deux que je sais. Mais qui l'ont passé et qui ne le savaient pas quand ils l'ont eu. Mais après, ils se sont fait la preuve et ils l'avaient. Et il y en a un autre qui l'a eu, mais qui l'a rien eu. Il l'a passé un peu, voilà, mais il n'a rien eu. Merci beaucoup, Candela. Rien. Confiné en Couserans est un podcast réalisé en décembre 2020 à Lab Place par Alfonso Sanchez Uzabal, Cécile Le Galliard et Karine Aubin. Vous pouvez écouter plus d'épisodes sur le site confiné.lab.place. Confiné en Couserans fait partie du projet Urban Rights, porté par le collectif Zuloarc et financé par la European Cultural Foundation. Voilà. Ça a été les témoignages de Candela, une collégienne de 11 ans, combien d'années? Oui, Ouais, 11 11 ans. ans. En sixième. Et je crois qu'il y a Sixième. Marie-Pierre qui nous a rejoint. Ah oui, c'est vrai. Salut Marie-Pierre. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Salut Marie-Pierre. Welcome. Bonjour.
Je suis désolée, je n'ai pas mis la caméra. Pas de souci. C'est pas grave. Pas de souci. Mais je suis là, je vous écoute. Ok, très bien. On a fait une petite présentation du projet, du processus qu'on a fait. Et on vient de finir, je ne sais pas quand vous avez arrivé, on vient de finir d'écouter un des témoignages, celle qu'on a fait à Candela, qui est Candela Montoya. Et maintenant, peut-être on peut passer à faire une petite visite guidée au site qu'on a créé pour héberger les podcasts. Comme je dis pendant la présentation, vous pouvez visiter le site, voilà, ici, vous pouvez voir le site qui est hébergé dans le nom de domaine confiné.lab.place. J'ai mis l'adresse là-bas. Dans le chat. Ah, cool, merci Karine. Là-bas, vous allez trouver une petite explication du projet. Le site est vraiment très très simple. Il y a une page pour voir tous les épisodes et une page qui raconte un petit peu les projets. Maintenant, sur le site, il n'y a que 4 témoignages. Parce que c'est vrai qu'on a fait l'enregistrement dans les 2 dernières semaines et on n'a pas eu le temps de tout monter. Déjà, il y a Marie-Pierre. Le premier témoignage, c'est celle de Marie-Pierre, celui de Marie-Pierre. Et chaque page de chaque témoignage, il y a une petite fiche avec quelques informations de la personne avec qui on est en train de parler. Après, on peut écouter la conversation en intégralité avec le reproducteur audio qu'il y a sur la page. Et après, on a voulu sortir quelques extraits de la conversation pour pouvoir lire rapidement de quoi on a parlé avec la personne. Ce n'est pas complètement objectif, en fait, ces extraits-là, mais ça nous a touchés. Alors, Alfonso a fait beaucoup, beaucoup d'entretiens, moi, j'en ai fait que 2, mais ces moments-là, c'est des moments aussi qui ont résonné et qui nous parlaient à nous. Et donc, on a souhaité les écrire aussi pour les mettre en valeur, on va dire. Voilà. Après, on va parcourir un petit peu certains extraits de conversations. Il y a des trucs vraiment très touchants, des trucs très drôles. Et après, en écrivant les extraits, on a vu aussi des connexions entre les témoignages. Hein. Ça a été une partie très, très intéressante. Mais voilà le site. Je ne sais pas si peut-être tu peux aller sur la bon, c'est bon. Pardon, je suis reparti. Je peux retourner. Non, mais c'est bon. J'allais dire seulement que les sites est structuré en format podcast de façon qu'on peut s'abonner aux épisodes. Comment s'abonner et raconter dans la page confinée, pas celle de cet épisode, mais la page d'à côté. Et là-bas, il y a toutes les indications pour s'abonner au fil de cet épisode. D'avoir tous les épisodes d'un coup, en fait. Voilà, il y a je ne sais pas si vous êtes... moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Il y a des logiciels, justement, pour écouter des podcasts. Et tu peux prendre ce qu'on appelle les flux RSS de cet épisode. On ne va rien voir sur les navigateurs parce que c'est un peu des codes, mais si on met ces flux-là que vous, comme ça fait peur. un peu. Le logiciel de podcast, ça parle
le même langage que le logiciel de podcast. Et si on met ça dans notre logiciel, on a toute la liste d'épisodes, on peut, bon, peut voir les informations associées à chaque épisode. Voilà. Et une fois qu'on est abonné, quand on va publier de nouveaux épisodes, ils vont s'ajouter directement sur notre logiciel de podcast. C'est ça l'objectif d'utiliser un logiciel de podcast. Voilà. Mais sinon, sur le site, on peut très très bien écouter tous les épisodes sur la liste. Là. Donc, il y a les deux façons. Et voilà. Bon, on n'a pas dit, mais si vous voulez intervenir, Marie-Pierre ou Luiso, Christina, Aurora. Vous êtes les bienvenus. Les bienvenus, même en anglais. Even in English. I want just to first declaration in English, maybe. The title, confinement, everyone understand, but in encauchurance, what's the meaning of encauchurance, the title? It's the area okay. where we live. Ariège is a department and Couserans is the area. Yeah, at the beginning we were thinking in confining Ariège, but we think, I don't know if you agree, Marie-Pierre, Karine, Cécile, but Couserans is very different from the rest of Ariège. It's less urban, it's less populated, it's even, I guess, wilder than the rest of Ariège. So that's why confiné on Ariège, on Couserans. Et c'est la réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé interroger des gens qui habitaient ailleurs qu'en Couserans aussi. Donc, voilà. C'est l'échelle, c'est notre échelle à nous. C'est très sincère aussi, ouais. Voilà. Donc, on a rencontré Candela, que vous avez entendue, qui est collégienne en sixième au collège du Couserans, donc à Saint-Girons. On a rencontré Pauline aussi. C'est l'un des témoignages qui est déjà sur le site Confiné en Couserans. Pauline, elle a 24 ans, elle est designeuse produit et elle est en mission de service civique à Lab Place, dans le tiers-lieu qui nous réunit avec Alfonso, Cécile et Félix qui n'est pas là, qui est à Oust, en Couserans. On a rencontré aussi Maceo, qui est lui aussi collégien, il a 11 ans, il est en 5e, il est dans un collège qui est tout petit par rapport au collège de Saint-Girons. Le collège de Saint-Girons, je crois qu'ils sont en 650 ou 700. Ils sont 1140 en tout dans la cité. Avec le lycée, c'est avec ça le lycée, oui. Ouais. Et le collège de Saxe, ils sont 150 élèves. C'est un collège qui régulièrement est menacé de fermer parce qu'il est trop petit. Donc, c'est vraiment un tout petit collège. On a rencontré aussi, Alfonso a rencontré Mélanie, qui est artiste à la retraite. On a rencontré Violetta, dont on vous a parlé, qui est pédiatre au CHAC, qui est l'hôpital du Couserans, qui est à Saint-Girons. On a rencontré Ludo et Mélanie, qui sont en couple et qui sont en quête d'une vie autonome. Ouais, quand j'ai parlé avec eux, en fait, ils m'ont dit de faire bien la différence entre chercher l'autonomie et chercher l'autonomie communautaire, en fait. Ils sont perdus dans la montagne et ils cherchent, voilà, une vie en autonomie, mais avec les autres, pas eux tout seul. Isolés. Ouais, voilà, c'est ça. Alfonso, tu as rencontré Rosset? Ouais, voilà, aussi. Il est chercheur au CNRS, c'est le centre de recherche qui est ici à Moulis, aussi en Couserans. C'est drôle parce que c'est un énorme centre de recherche qui étudie surtout l'écologie et les changements climatiques. Et pour moi, c'est impressionnant.
avoir un centre de recherche comme celui-là ici en Couserin. Et vous pouvez, si vous survolez l'Ariège, le Couserin, avec Google Maps ou OpenStreetMap, et vous survolez Moulis, c'est le village où est le centre de recherche, et ça fait la même surface que le village même. En fait, c'est à côté, mais c'est un truc incroyable. C'est vraiment déproportionné pour les Couserins. Mais du coup, c'est très chouette d'avoir toutes ces communautés de chercheurs qui viennent de beaucoup de pays différents et ici, dans le territoire. On a rencontré aussi Maud ouais, voilà. De la médiathèque de l'Orp Santaraï. Et on a rencontré aussi Guillé, qui c'est un enfant de... Je ne sais jamais les il a 7 ans. Ouais, il a 7 ans, il est à l'école. Bon, pour la petite histoire, il faut dire que Guillé, c'est le frère de Candela, et Candela et Guillé sont les fils de Violeta et José. Donc, on a interviewé toute la famille. voilà. Ça, et évidemment. Ouais. Pardon, Alfonso. Non, vas-y. Alfonso a rencontré Marie-Pierre et c'est super, Marie-Pierre, que vous puissiez être avec nous pour témoigner un petit peu aussi de cette rencontre. Et vous êtes enseignante à l'école de Moulis et présidente d'un lieu qui est très important en fait sur ce territoire-là. Oui, c'est ça, vous m'avez bien présenté. Et ce lieu, c'est l'épicerie d'Angomère, l'épicerie associative d'Angomère. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire, Marie-Pierre, pourquoi vous avez dit oui à Alfonso? Ah, pourquoi j'aurais dit non? On s'est croisés pendant le marché. Et... J'ai fait des études de sciences humaines, donc je sais ce que c'est une enquête, je sais ce que c'est le recueil des témoignages. Et je me suis dit assez vite, pourquoi pas, voilà. Ce que j'ai fait jeune, je peux me mettre de l'autre côté aussi et puis répondre aux besoins de ceux qui mènent une enquête. Et puis, je trouvais que le sujet, de toute façon, était intéressant. J'ai dit oui surtout parce que j'avais la casquette de présidente de l'épicerie, je pense. Je pense que j'aurais plus hésité si j'avais juste parlé du côté enseignement. Je pense. Mais bon, même s'il y a des choses intéressantes à dire, hein, mais par rapport à ce que j'avais vécu moi, j'ai plus dit oui en fonction de ce que j'avais vécu en tant que membre de l'association. Parce que ce lieu-là, il a eu un rôle primordial en fait pendant le confinement. Oui, ça a été assez explosif. On s'est vite retourné parce que ça nous est tombé dessus par rapport à toute la pression qu'il y a eu, les besoins des gens autour, tant au niveau des clients que des producteurs. Et puis nous, il a fallu vraiment qu'on change radicalement notre façon de faire, de fonctionner. Et ça a été assez intense. Donc, du coup, moi, le confinement, comme je disais à Alfonso, je ne l'ai pas vraiment vécu à ce moment-là. C'était très étrange. J'étais dans une activité intense, pas de confinée. Même si je faisais des activités de confinée avec les outils numériques, parce qu'on a beaucoup utilisé tout ce qui est mail, téléphone, tout ça, quoi. Et puis moi, en tant qu'enseignante, j'étais beaucoup aussi devant les écrans. Mais il y avait ce côté-là où j'étais en lien avec le réel, vraiment physiquement, quoi. Et c'est un peu pour ça, et comme ça, en fait, Cécile, Alfonso, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'on a choisi de parler de ce sujet-là, en fait. C'est qu'à l'image de ce que dit Marie-Pierre, ça nous est vraiment tombé dessus. Et de mon côté, je ne me suis pas forcément retrouvée dans ce qui était dit dans les témoignages que j'entendais dans les médias que je suis, du fait justement qu'on soit sur un petit territoire et que notre échelle ne soit pas la même que des gens qui habitent dans les grandes villes. Et j'ai eu l'impression que c'était important quand même
de témoigner de ce qu'on vivait tous ici. Et du coup, grâce à Urban Rights et à l'opportunité qu'on a eue de créer quelque chose, un cadre, créer un endroit où on pouvait être libre, cette thématique-là du confinement s'est vite imposée. Et en discutant avec Alfonso et Cécile, on est parti aussi sur quelque chose qu'on allait récolter avec la voix, par le son, parce que je crois qu'on aime ça dans ce groupe-là. On s'est dit qu'on partait donc sur la création d'un podcast, et on a construit un entretien aussi qui permettrait d'avoir des témoignages sur des points précis de personnes diverses. Et l'ambition n'est pas de représenter le territoire, mais l'ambition, c'est quand même d'avoir des points de vue sur du vécu, et donc d'interpeller nos témoins avec les mêmes questions. Oui, un des points de départ du projet, qu'on a parlé avec Luiso et Aurora au début, était comment s'interroger sur les territoires qu'on habite et qu'on construit, mais d'une façon facile, pas depuis des points de vue techniques ou pas depuis un point de vue non plus idéologique, non? Donc, on a essayé pendant un petit moment de trouver un sujet pour se poser cette question, ce type de question, mais d'une façon pas explicite, pas directe, non? Donc, au début, on s'est dit, je ne sais pas, on parle de la gastronomie, on parle de trucs que finalement, de l'éducation des enfants, des trucs, des sujets que plus ou moins touche toute la population, non? Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on avait un sujet commun à tous, et qu'en plus on était en train d'expérimenter, de vivre, de souffrir, comme vous voulez, et on s'est dit pourquoi pas directement parler de ça, non? Et que ça fasse aussi un petit peu, je ne sais pas si de thérapie, il y a un côté aussi, non, de partager ce qu'on est en train de vivre. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit, mais écoute, je n'avais pas pris le temps de parler de ce que j'ai vécu pendant les derniers mois. Et ça m'a fait du bien. Parce que c'est vrai que d'un côté, on est tous en train de vivre la même chose, mais on est fatigué de parler de ça parce qu'on l'entend à la télé, à la radio, tout le temps, c'est présent tout le temps. Mais en même temps, on ne parlait pas de nous. On parlait de la COVID en général, de la situation. Et bon, à moi, personnellement, je parle maintenant de moi. Ça m'a fait du bien aussi de parler d'une façon plus intime et surtout d'écouter. On parlait beaucoup aussi avec Karine et Cécile que le format de conversation intime à deux et pas en groupe, ça nous a fait du bien aussi parce que ça nous a permis d'écouter vraiment la personne qu'on avait en face, de dédier toute l'attention à la personne qu'on avait en face. Et on pense aussi que peut-être maintenant Marie-Pierre peut nous donner un peu son avis, nous faire un retour, mais on avoue que la personne en face était plus ou moins confortable et plus ou moins libre pour parler du sujet. Justement, quand on était en train de préparer la session, Karine, tu disais qu'un groupe peut-être aurait été complètement différent, non? Aborder les sujets de la COVID en groupe aurait été plus difficile, non? De toute façon, on n'aurait pas dit les mêmes choses parce qu'on ne peut pas en groupe recréer cette même intimité, c'est sûr. Et,
Je suis désolée, je vais encore dire personnellement, mais pour moi, un groupe, parler de ce sujet-là dans un groupe, ça aurait été trop de bruit par rapport à ce qu'on avait vécu. On vit une forme d'isolement depuis quelques mois, et donc le bruit est moins présent. Et donc avoir cet échange, donc un espace pour écouter et un espace pour parler à deux, ça me semblait approprié à ce moment-là. Mais on espère bien, comme le disait Alfonso, arriver à regrouper tout le monde à un moment, quand tout ça se sera, j'espère, un petit peu calmé, pour créer d'autres choses. Mais à chaud, on était vraiment à chaud et dedans, tous. Et même si certains l'ont peut-être bien vécu, il y a quand même un impact, je pense, les contraintes créent un impact. Et ça ne me semblait pas le moment de partager à trop nombreux, en fait. Et il y a aussi une question très pragmatique de faisabilité des entretiens, c'est-à-dire qu'il fallait quand même trouver une forme. Les conditions, les contraintes sanitaires s'ajustent quasiment tous les jours ou assez régulièrement, et au moins en limitant le groupe de personnes qui se rencontraient, on était sûr de pouvoir aboutir le projet dans les temps. Pour éviter aussi toutes les réponses générales, globales, moi j'ai appris plein de choses en fait en écoutant les entretiens individuels. Déjà, ça remet la personne en fait vraiment. On parle souvent dans les médias en fait des grandes structures, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment écouté les expériences de chaque personne pendant ce temps. Parce qu'on pense que c'est banal peut-être, mais non, pas du tout. En fait, quand j'ai écouté, j'ai pas trouvé ça banal du tout, ni répétitif, ni j'ai appris beaucoup de choses en fait en écoutant ces entretiens individuels. On peut pas se cacher derrière des généralités en fait. Et ce temps-là, je pense que oui, c'est ce que quand tu employais le terme de thérapie, il est intéressant pour les deux personnes qui se rencontrent. Marie-Pierre, ça a été facile de formuler les choses. Et est-ce que c'est quelque chose que des conversations, ce que vous avez offert comme parole à Alfonso, c'est quelque chose que vous aviez déjà exprimé ailleurs? Ben déjà, au niveau du confort, c'est vrai que le dialogue, moi, c'est un format qui me va bien. Quand on doit témoigner de ce qu'on a vécu, je pense que c'est un bon média, en fait. C'est un bon format, le fait de pouvoir dialoguer, de pouvoir converser. Et du coup, on sait qu'on parle de soi. Le sujet, c'est soi-même. Le fait d'être à plusieurs, c'est autre chose. On est en interaction avec les autres, donc on va peut-être moins parler de soi que d'un sujet, et on va le confronter avec les autres. Donc, c'est vrai que c'est pas pareil. Alors, du coup, comme je savais que je serais interviewée, bon, moi, ça me fait toujours un peu peur de pas trop savoir comment répondre. Donc, Alfonso a eu la délicatesse de m'envoyer les questions avant pour que je puisse y réfléchir. C'est vrai que j'avais peur de devoir réfléchir longuement avant d'y répondre, même si j'avais tout en moi. Mais bon, formuler, choisir les bons mots. Donc, j'y réfléchis, en fait, ça m'a permis une semaine avant. Il m'a donné une semaine avant, je crois, le questionnaire. Et moi, ça m'a permis de prendre du temps chez moi, justement, de faire une petite introspection. Ce que vous disiez, pas une thérapie, hein, parce que bon, c'était très étrange la façon dont je l'ai vécu ce printemps-là, où je me sentais en introspection seule, même si j'étais en lien avec les autres, puisque j'étais dans l'activité à 200%. Mais c'est vrai que là, j'ai pu prendre du recul par rapport à ce que j'ai vécu dans mon fort intérieur. Et puis, j'ai réfléchi, j'ai organisé dans ma tête, j'ai essayé de me faire mon petit organigramme pour voir ce que j'avais pu faire, à partir de quelles valeurs, à partir de quelles missions qui m'étaient importantes. Et ça a permis un peu pour moi d'éclairer un peu, de mettre en lumière ce que j'avais fait pendant ces quelques semaines de confinement dur. Là, on vit un confinement plus léger, c'est tout à fait autrement ce qu'on vit actuellement.
Mais là, on parlait du confinement dur et le fait d'avoir pris le temps avant, en fait, de bien faire corps avec ces questions, ça m'a permis d'être vraiment à l'aise lors de cet entretien-là et de faire un véritable témoignage sincère et juste à mon goût. Complètement, ouais, je suis d'accord. Oui, Louiso. Et bon, merci à tous pour. Je veux parler en français, mais je ne sais pas si ça. Français en anglais, super fast. Donc, on peut mettre des sous-titres dans les conversations. J'ai suivi votre projet avec un intérêt incroyable pour les deux façons que vous êtes en train de parler, pour avoir la possibilité d'écouter des histoires très personnelles. Et quand Karine nous a envoyé l'audio de cet enfant, pour moi, ça a été en 10 minutes incroyable. Il est tout comme décalé, boum, et avait un espace pour écouter incroyable. C'est une connexion avec le territoire, avec une personne que je ne connaissais pas, que je n'ai pas une proximité avec lui. Mais cette manière d'audio connexion pour une période trop courte, ça a été incroyable pour moi. Et je vais vous dire, c'est ce qu'on parle ici de la de manière d'écouter, mais aussi être écouté. C'est ce que Marie-Pierre, vient de dire. Il aussi m'a fait comment qu'est-ce que je dirais sur cette question-là. Ça m'a fait cette question, c'est comment j'y parlerai de ce qu'il y a à des autres qui ne savent pas où il va y aller. Et ça m'a fait intéressant, c'est ce qu'il vient de parler, et d'avoir le temps pour toi-même, pour réfléchir, qu'est-ce que vous pensez, et organiser toute cette information pour les donner de cette manière à un podcast. Pour moi, super intéressant. Et je veux poser une question super vite. C'est pourquoi pas faire ça sur la plateforme? Maintenant, la plateforme, c'est que d'écouter cette histoire. Peut-être ça peut être un espace pour... Enregistrer. Pour enregistrer. Pour que la plateforme écoute. C'est ce que quelqu'un veut dire. Peut-être ça peut être intéressant. Peut-être il y a des gens qui voudraient pas écouter, parce qu'ils sont bien écouteurs de beaucoup d'histoires, mais ils n'ont pas l'espace pour s'exprimer. Et peut-être c'est intéressant aussi lancer cette testimoine ou cette écoute dans cette plateforme qui nous parle à nous. Donc, avec tout ça, je vais vous dire congratulations. C'était génial. C'est une méthodologie très expérimentale, mais que je trouve qui arrive à connecter le territoire dans cette situation d'isolement dans une manière très intéressante. Merci. Merci, Lisa. I'm going to speak in English very fast. We are talking about this a special methodology that they use in the Aries territory of listening, because they went through all the process focused on podcast, audio podcast, and we are talking about what is this thing of having the time to express yourself, like if somebody asks you like, but what's your own opinion? It's like, okay, what should I say? And it's a very, very interesting time for each one. It's very important for each one to have the time. No, we're always talking about in this confinement that we don't have the times to do things. There are many things going on, many connections, many things. And you have the time to stop and talk to yourself and ask yourself what you want. And we were saying that having the opportunity to record a podcast is very interesting for that. And also, I was talking about this other condition of listening to somebody, listening to the opinions of somebody. And I was saying that in my own experience, when I was listening to the audios
of that they were starting to record, it was very impressive to have this like a very deep connection with this testimony of a little kid talking about the quotidianity of this isolated region in the mountains. It was very special for me to listen to that with not any video. I think the video, taking out the video, is something very important also, because we are not looking, we are concentrated only in the audio. Like when you close your eyes, it's a way of concentrating in the voice. And for me, even though it was very experimental and very risky, this type of connection through the audios launched from a specific territory, it was a very successful methodology to connect the experience of urban beings, as we call it, to other territories. I don't know. And that was one of the main ideas that we have at the beginning with this project, how to connect citizens with different territories. And I was giving a congratulations to the team, because I think they completely achieved to this objective of connecting through a simple thing that is just a voice. And I was, for finishing, I was just telling them, but why not this virtual platform that they created, where you could listen to the podcast? Why do not open this platform so you could also talk to the podcast, no? Because this condition of listening or being listened by someone, it's very interesting. So maybe that platform could also, you could also register, like calling to a place that you don't even know who's going to listen to that. But you need to express yourself, no? Having the time, or giving the time or the opportunity for somebody to express themselves, I think is such an amazing opportunity. And this randomness that you don't really know who's talking at the end, is that you don't switch, like, I want to listen who's saying, or the opinion of somebody. It's this like a roulette internet thing that you just, okay, let's see where it goes. And I would love to listen to somebody in I don't know, in Rumani or in Switzerland, no, telling their stories. And I was speaking in English so that we could combine the conversation. Or si sentís más cómodo en español, un poco como quieran. Gracias. En griego, Cristina, en griego. Aurora va a hablar. You want to talk? Yeah. I was understanding myself while listening to Luiso, because I was telling you at the beginning that I felt a lot of connection, even if I understand almost anything in French. I didn't understand why, but I think it's probably because you feel that honest dialogue, or that honest interest, this the rhythm, the way she's explaining herself, or Alfonso is making questions, you really feel a comfortable atmosphere. And we really lack of this kind of spaces or this kind of conversations. And as Luisa was saying, I can like keep listening to audios like crazy, even if I understand almost anything. I just understand the word and I try to realize the context and so on. So I probably make a completely different understanding of what she's really saying. But the atmosphere you are able to replicate is amazing. It's and it's really useful for a project like this, because, for example, when you listen to Alfonso speaking to her, I don't know the words in English, but the way he explains himself, or how you modulate, I don't know, it's completely different. Mm. Because here, like with the screen,
with peers or whatever, it's completely different. And it's it would be amazing to learn how to do more or less the same that you were doing with her in a space like this. Probably it's impossible, but it's it was, yeah, you really made it. Like, we connect a lot with you and the whole territory. It was amazing. We choose to let silence, for example, to respect the rhythm of the person. Et ce sont des petites choses comme ça qu'on a choisi de ne pas enlever pour que ça raconte aussi ce moment, que ce soit comme une parenthèse dans ce temps-là qu'on vit tous, qui est un peu particulier. Par rapport à l'idée de Louise, j'aime beaucoup ton enthousiasme. Par rapport à l'idée de créer une plateforme où les gens puissent laisser des messages, le seul bémol que je vois à ça, c'est que justement, il n'y aurait pas cette rencontre avec Alfonso. Ou alors, il faut qu'Alfonso enregistre sa voix pour guider la personne. Mais je pense qu'un témoignage comme ça aussi, il est aussi le fruit du regard que la personne qui interroge porte sur la personne qui va parler. C'est ce duo-là qui fait qu'on a un témoignage qui vient facilement parce que le regard supporte, parce qu'on va être attentif à ce que la personne, quand on interview, on va être attentif à ce que la personne se sente bien et on va pouvoir aussi peut-être ne pas suivre la trame des questions qu'on a imaginées, mais nous adapter et parfois faire un pas de côté par rapport à ce qu'on avait à nos questions pour justement aller là où le témoin est confortable, en fait. Mais malgré tout, c'est intéressant. Et j'aime bien aussi l'idée de la roulette pour tomber sur un pays et avoir un témoignage de l'autre bout du monde. C'est une bonne idée. Alfonso, est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu des questions ou est-ce que tu... Aurora, you want to talk? Pardon, Aurora. You have your raise your hand. No? It's for the previous turn. No, no problem. Oui. On va raconter peut-être comment on a structuré l'entretien. Au début, on n'avait pas une idée claire, en fait, de comment aborder les sujets du confinement, non? Avec cette idée que je disais avant de trouver des liens communs à tout le monde. Et finalement, on a fini par trouver des questions très très générique et très très souple, je pense, dans le sens que c'est des questions ouvertes presque, et pour donner un peu d'espace à la personne qui répond, non, et pas trop dirigé. C'était ça un peu l'idée des questions. Tu voulais ajouter, Karine? Des questions ouvertes et qui puissent du coup libérer la parole d'un enfant, puisqu'on a témoignage de trois enfants, qui soient aussi intéressantes dans la réflexion si on pose les mêmes questions à des adultes. Donc il fallait aussi que ça soit des questions qu'on puisse poser à toutes sortes de personnes, en fait. Donc, on a imaginé, on s'est interrogé sur ce qui était aussi intéressant de raconter sur ce confinement et on s'est interrogé sur ce que ce confinement avait changé dans notre façon de travailler, mais aussi dans notre vie sociale et dans nos habitudes de consommation. On a imaginé aussi laisser à nos témoins la possibilité de nous dire quelle avait été la chose la plus compliquée dans ce confinement. Mais aussi, est-ce qu'il y avait eu des bonnes choses dans ce confinement, donc le pire et le meilleur du confinement. On leur a demandé aussi ce qui leur manquait, ce qui leur avait manqué pendant ce confinement.
Mais également, si cette chose qui pouvait leur... Je ne sais pas comment exprimer cette deuxième partie. Une chose qui leur avait manqué, mais finalement, c'était plutôt mieux, comme ça, de faire sans, en fait, sans cette chose-là. Et est-ce que nos témoins avaient aussi pris des habitudes pendant le confinement, des choses dans leur routine, dans leur quotidien, qu'ils avaient même l'intention de garder après le confinement. Et on n'a pas demandé à tous, mais dans tous les entretiens, on a quand même retrouvé des pistes pour répondre à cette question qui nous emmenait vers, vers l'après. Comment chacun, en fait, imaginait l'après-confinement, l'après-pandémie. Donc ça, c'est le questionnaire. Mais après, c'est vrai que tu es seulement un guide. Dans certaines conversations, on avoue que... Bon, il y a eu certaines conversations qui ont été, dans mon cas, très structurées. La personne en face était disciplinée, on va dire. Et il y a eu des autres conversations complètement libres. Finalement, on a touché plus ou moins toutes les questions, mais pas d'une façon structurée. Voilà. Marie-Pierre a fait partie des bons élèves. Ouais, voilà. Oui, complètement. En plus, c'était un des premiers entretiens et je me suis dit, ça va être tout le temps comme ça. Et non. Non, mais je les remercie déjà quand on a fait l'entretien, mais je profite pour les faire encore une fois parce que c'est vraiment agréable et avoir en face quelqu'un qui a préparé l'entretien, qui a pensé aux questions, qui a pris le temps de réfléchir un peu avant de venir, qui a fait déjà la synthèse de ce qu'elle veut dire. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre. Et ça a été le cas de Pauline aussi, qui est en mission de service civique au La Place, qui avait pris ce temps aussi pour réfléchir aux questions et à qui j'ai imposé qu'elle ne prenne pas son ordinateur pour lire ses réponses, parce que l'idée, c'était justement de retrouver de la spontanéité. Elle a accepté, elle a fait ça très bien. Et c'était aussi voilà, un témoignage, pas tous les témoignages sont très sincères, honnêtes, comme tu disais à Aurora et comme tu disais Louiseau. Bon, je pense que de toute façon, on ne peut pas trop mentir avec le son, et si quelqu'un avait été dans la gêne, on l'entendrait. Et je vous promets que quand vous écouterez tous les témoignages, vous n'entendrez pas ça, en fait, parce que globalement, ça s'est très bien passé. Avec ou sans préparation, ça s'est très bien passé. Voulez-vous parler, Marie-Pierre? Vous savez, avant, voilà. Non, bah merci de votre merci. Non, il y a des questions sur lesquelles je n'ai pas pu répondre, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est pas grave. Hein. Il y avait pour moi des questions qui je ne pouvais pas y répondre, en fait. Voilà. Comme quoi, effectivement, les questionnaires préparés avant, même si les questions sont ouvertes, bah, il y en a... sur lesquelles on ne peut pas répondre. Ouais. Mmh. On priorise les questions qui semblent plus importantes, notamment celle de la consommation. Je ne sais pas si dans le Couserans, ça a beaucoup changé la vie des gens. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression dans mon entourage que les gens aient eu beaucoup de différences dans leur consommation. Je ne suis pas persuadée, en fait, parce qu'on est un peu avant-gardiste ici, au niveau de la consommation. Donc, voilà, donc c'est vrai que là-dessus, j'en ai pas trop parlé, en fait. Et pourtant, vous étiez l'un des rares lieux où on pouvait, pendant les confinements, venir acheter et venir consommer. Oui, oui, mais c'est des biens de première nécessité. Oui. Oui, il fallait nourrir les gens. Et ça, c'est pas rien comme rôle, en fait. Non, c'est vrai. Et, bah, comme ce que j'ai pu en témoigner, on était une vingtaine de personnes à travailler de concert tous ensemble pour essayer de faire au mieux malgré ces difficultés-là.
Mais c'était une très belle expérience. On peut peut-être, Alfonso, citer... Alors, évidemment, ça aurait été super de pouvoir vous faire écouter les extraits qu'on a souhaité conserver ou mettre en highlights. Mais le montage prend du temps, donc on n'a pas ce temps-là. Mais en revanche, ce qu'on peut faire avec Alfonso, c'est lire des témoignages sur... on a relevé quelques témoignages, quelques phrases, en fait, que nous ont offert nos témoins sur chaque question dont on vous a parlé précédemment. Et on démarre peut-être avec la première question, Alfonso. Allez, ouais. On a noté ici quelques témoignages par question. À la question de comment le confinement avait changé la façon de travailler, José Montoya, c'est le chercheur au CNRS de Moulins. Il a dit que, en fait, une chose que lui, il gardera du confinement, c'est le temps que nous dédions au travail et maintenant pour prendre soin des autres. Et ça m'a vraiment touché, en fait, parce que j'imagine, peut-être que ce n'est pas le cas, mais j'ai plusieurs amis qui travaillent là-bas et c'est une ambiance de travail très compétitive. C'est celui du chercheur. Et j'imaginais vraiment, et aussi très masculin, et j'imaginais beaucoup de chercheurs qui avant étaient en train de travailler dans son bureau tout seul, en train de, pendant le confinement, prendre soin un des autres. Et j'ai dit, ça c'est magnifique. Donc ça m'a vraiment touché. J'ai trouvé ça excellent. Il y a aussi une réponse de Marie-Pierre à ces questions-là. Je la lis en intégralité. Et je pense que le système, notre système associatif, elle parle de l'épicerie associative, et là, à ce moment-là, il a démontré que le pouvoir de résilience, il a vraiment démontré ce pouvoir de résilience-là. Parce qu'on aura pu se dire, on ferme, c'est trop difficile. Mais non, on a essayé de maintenir les horaires quasiment pareils et on a ouvert plus longtemps que certains autres commerces. Mais on a pris sur nous et c'est par ça, qu'on était une association, qu'on a eu ce pouvoir de résilience-là, je pense. Et on a pu prouver qu'on était d'une utilité publique sur notre territoire. Pour moi, ça c'est magnifique aussi, non? J'habite à côté de l'épicerie associative et a été un vrai pilier ici, dans le coin. Et c'est incroyable comment un groupe de personnes, une association, c'est une petite structure, mais justement à cause de ça, ils ont eu la souplesse et la capacité de s'adapter aux circonstances qu'on était en train de vivre beaucoup mieux que des structures comme des supermarchés ou avec beaucoup plus de ressources. Non? Ça a été vraiment très émouvant aussi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, Marie-Pierre. Non, je pense qu'effectivement, c'est vraiment juste hein, pour moi. Quand j'ai réfléchi à ça, c'était vraiment les mots-là qui me sont venus. Et je pense que tout le monde, tous les membres de l'association diraient pareil, en fait. Ça a été une expérience très collective, très solidaire entre nous aussi. Et José qui parlait de prendre soin aux autres, ça a été aussi quelque chose d'important entre nous, puisque quelqu'un qui était trop fatigué, on le disait, on se prévenait entre nous, on disait, mais si on sent que quelqu'un est trop fatigué, se sent un peu malade, juste il arrête et puis quelqu'un prend le relais. Et il y a eu de temps en temps comme ça des relais parce qu'il y avait des personnes qui avaient juste besoin un peu de prendre du temps pour soi parce que ça a été intense pour toute l'équipe. Parce qu'il faut dire
que vous avez presque doublé l'activité de l'épicerie, non? Ah oui, 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 même à un moment donné, même plus que doublé à un moment donné. Au début, les gens étaient tellement perdus par rapport à ces annonces, par rapport à cette situation, qu'on était submergés et donc il a bien fallu les accueillir et puis faire en sorte qu'il y ait quelque chose pour eux. Ouais. Parce que aussi on a vu ici sur le territoire certaines structures qui étaient surchargées parce qu'il y a eu pas mal de gens qui sont venus habiter ici en Ariège pendant le confinement, notamment des gens de Toulouse. Et l'épicerie a été une des structures qui a été surchargée complètement parce qu'il y avait beaucoup plus de population que normalement. J'écoutais la même histoire, par exemple, sur les pharmacies, notamment la pharmacie à Castillon, où ils m'ont dit, quand j'étais là, qu'ils n'avaient pas certains produits, certaines médecines, parce qu'il y avait trop de monde qui allait chercher des médicaments là-bas. Oui, c'est vrai, oui, oui. Et puis, je pense que les personnes qui sont venues se confiner ici ont découvert aussi une façon de consommer. Voilà, je pense que pour eux surtout, plus que pour les Couseranais, il y a eu un avant et il y a un après confinement. Nous, finalement, on ne change pas trop notre vie. Alors que les personnes qui sont venues parce qu'ils voulaient fuir la ville et fuir le Covid, ils avaient peur de ça, ils ont vraiment découvert des petites structures comme l'épicerie. Et ils étaient émerveillés de voir que ça existait, en fait. Même si ça existe, ça doit exister un peu partout, même si c'est minoritaire, mais beaucoup découvraient ça. Et je pense qu'il y a certaines personnes même qui font le choix de vivre ailleurs que suite à ce confinement-là, que là où ils vivaient dans les villes, pour vivre justement autre chose, avec une autre forme de consommation. En tout cas, ça fait du bien de voir que ce n'est pas seulement Amazon, non, qui a doublé ses ventes, mais aussi l'épicerie Montgomery. Ça ne veut pas dire qu'on fait des bénéfices. Hein. C'est vrai, ça reste une association. Contrairement à Amazon qui fait beaucoup de bénéfices. Oui. C'est une question d'échelle. Ouais. Mais je pense que les gens se rappelleront plus facilement, peut-être plus quand même du rôle que vous avez joué, vous, que du rôle d'Amazon, non? Ça fait, on trouvait à l'épicerie d'Angomer sûrement autre chose que des produits à consommer. Oui, dans ce questionnaire du coup, qu'on continue à dérouler, on va essayer aussi de vous faire entendre les voix de tous nos autres témoins. Donc, on a essayé d'avoir des paroles extraites de tous nos entretiens. Donc, pour le meilleur du confinement pour vous, moi qui ai interviewé Pauline, en fait, au moment du premier confinement, elle est en stage. Et c'est un stage qui pourrait déboucher sur un travail. Et en fait, elle ne peut plus aller dans l'entreprise dans laquelle elle fait un stage. Et elle essaye de travailler à distance, mais ça ne se passe pas bien. Et donc, ça s'arrête comme ça, un peu bizarrement. À ce moment-là, elle est à Paris et elle est chez sa sœur dans un petit appartement qui fait 20 mètres carrés. Et elle se retrouve du coup toutes les deux. Et ce que nous dit Pauline, c'est pendant le premier confinement avec ma sœur, on a pris un rythme quotidien qui était très agréable. On se réveillait tranquillement, on faisait ce qu'on avait à faire, on mangeait à midi toutes les deux ensemble. Le soir, on regardait un épisode de série, je suppose. On se faisait des séances de muscu certains jours. On avait créé notre vie dans son studio, c'était très très agréable. Et en fait, ce qu'elle me disait aussi, et ce qu'elle dit aussi dans l'entretien, Pauline, c'est qu'elle a recréé des liens avec sa sœur à ce moment-là. Et que le fait d'être toutes les deux enfermées dans 20 mètres carrés en ville. Coucou Eva. C'était. Bienvenue à Eva. Oui. Je lève le son parce qu'elle est un peu. Elle a faim, non?
Et donc, ce moment-là a été un moment important pour ces deux sœurs-là, qui, je ne sais pas si elles avaient l'habitude de se voir, si elles ne s'étaient pas vues depuis longtemps. En tout cas, elles se sont retrouvées. Et c'est ce qui aurait pu être affreux, parce que se retrouver dans 20 mètres carrés avec quelqu'un, ce n'est pas facile. Et bien, ça a été un moment très agréable entre elles, où elles ont fonctionné ensemble. Et Pauline a beaucoup apprécié ça. Et Pauline nous a dit aussi que par rapport à ce que ça a modifié chez elle, que c'était quelqu'un qui était plutôt dans le... qui avait envie, un besoin même de tout contrôler, que tout se fasse comme elle avait prévu, et que là-dessus, les deux confinements avaient bien chamboulé ses habitudes, et que ça l'avait amenée à se laisser un petit peu plus aller. Et pour elle, c'était un point positif. En fait, elle y voyait vraiment presque voilà, un peu plus de lâcher prise, qu'elle avait l'intention de continuer à cultiver. Donc, c'était intéressant. Et je pense que ce n'est pas la seule à avoir été obligée de travailler sur ce point-là quand on a envie de... vu qu'on ne maîtrise plus grand-chose, en fait, se lâcher prise, il vaut mieux aller vers ça, j'ai l'impression maintenant. Donc c'était... En tout cas, elle s'en est rendue compte. Elle est jeune, elle a 24 ans, Pauline, et elle s'en est rendue compte et elle en a vraiment tiré une leçon et tiré quelque chose qu'elle souhaite voilà, continuer à explorer, le lâcher prise. On est parti aussi sur les habitudes les nouvelles habitudes qui avaient été prises pendant le confinement. On s'est rendu compte que beaucoup s'étaient mis au sport ou à des pratiques sportives différentes au moment de ce confinement. Donc Maceo nous disait que maintenant il faisait du sport le matin, il faisait des abdos et des pompes. Et Pauline aussi s'est mise à faire du sport plus régulièrement et notamment à suivre les séances de yoga en ligne que donne sa sœur, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle continue à pratiquer le yoga. J'ai bien aimé aussi la phrase de Maceo par rapport à la question antérieure, non, une chose que vous ne pouvez pas faire maintenant et que ça vous arrange, comme ça. Et il disait en fait, je suis content qu'on ne puisse plus se faire la vis parce que j'ai des moments, j'ai la flemme. On peut voir bien qu'il est un bon adolescent. Il a 11 ans, quoi. Sur comment vous voyez l'après, justement, Maceo nous disait que, je le cite pour pas... pour que ça, voilà, ce soit vraiment lui. Il y a déjà eu des pandémies mondiales, comme la grippe. Et après ces pandémies, on a repris notre vie d'avant. Enfin, pas moi, j'étais pas née. Du coup, je pense que ça va être pareil. Mais je pense qu'on en a encore pour longtemps. Voilà, c'est l'avis de Maceo sur comment il voit l'après. Il pense que ça va être pareil qu'avant, en fait. Et après, on a aussi des autres réponses. Pas directement en relation avec les questions qu'on posait, mais qu'on pense que sont très, bon, il y a, ça vaut la peine de lire. Maud c'est la médiathécaire de la médiathèque de l'Orbe Sentaraï. Il nous disait en fait que pendant le premier confinement, j'ai remarqué que les médiathèques sont un des seuls espaces d'accès libre qu'on trouve dans les villes. Personne ne te demande rien pour y accéder. Donc, c'est très, très, très bien. Elle travaille à la médiathèque, mais il a fallu que la médiathèque ferme pendant le premier confinement pour penser à tout ça. Non? Et c'est vrai, elle me disait en fait que même pour aller à la piscine publique, on avait besoin d'un dress code, et on avait besoin d'un bonnet de bain. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que les médiathèques, les bibliothèques sont des accès complètement libres par rapport à ça. Elles sont gratuites, voilà. Guillet, il a fait une blague aussi à Alfonso. Ah oui, Guillet il est génial en fait. Quand je lui ai demandé en fait s'il connaissait quelqu'un qui avait eu le Covid, et il s'arrête un petit peu, il pense, il me dit oui. Les maires de ces pays, comment s'appellent déjà les maires d'un pays, comment s'appellent
je ne me rappelle pas en fait. C'est celui qui a les cheveux orange. Il voulait dire 30. Ça lui va bien, mère, moi, je trouve, comme, oui, hein, comme rôle. Hein. S'il écoute ça. Et après, pour finir, quand on a parlé aussi avec Ludo et Mélanie, c'est les couples qui cherchent l'autonomie en communauté. On va dire, ils sont raconté une anecdote que pour moi, ça parlait beaucoup de comment les mesures du confinement ont été planifiées et pensées par des gens qui habitent en ville. Et Mélanie me racontait en fait que pour aller chercher son courrier à la boîte aux lettres, elle était dans l'illégalité parce que sa boîte à lettres est à 1,5 km de la maison. Et pendant le confinement, on avait le droit de sortir jusqu'à 1 km. Un kilomètre. Donc, c'est presque comique, non? Que suivre une mesure comme ça dans la moitié de la montagne. Voilà quelques réponses aux questions. Je ne sais pas si on va parler beaucoup plus, Karine, je ne sais pas ce que tu penses. On a déjà plus ou moins fait un bilan, parce qu'on avait prévu faire un petit bilan à la fin de la session. Mais c'est vrai que plus ou moins, on a touché déjà tous les points qu'on voulait toucher, non? Il faut vous dire quand même que cette expérience a été une vraie révélation pour Alfonso, en fait, qui maintenant ne quitte plus l'enregistreur. Quand vous écouterez l'habillage, il y a l'intro où il y a des oiseaux qui sont plutôt vers chez moi, là en revanche. Donc vous pourrez m'imaginer les oiseaux qu'on entend. C'est un matin vers 7h30. J'allais faire un footing pendant le premier confinement, justement. Et il y a tous ces oiseaux-là que j'ai entendus. Je me suis dit, le deuxième matin, je me suis dit, je vais prendre mon enregistreur avec moi et j'ai enregistré. Et sur l'outro de l'habillage qui vient à la fin, donc il y a des pas qu'on entend. Et c'est Alfonso qui s'est enregistré en train de marcher. Donc il y a ses pas et mes oiseaux en habillage sur l'outro de Confiné en Couserans. Oui, c'est complètement vrai. Pour moi, c'était la découverte du projet, a été travailler avec les sons, en fait. Et Karine, elle travaille avec les sons depuis très longtemps au lab, mais pour moi, c'était un sujet que je ne m'avais pas investi vraiment là-dedans. Et a été, voilà, le dimanche dernier, j'ai sorti à faire une balade et j'étais avec mon enregistreur en train d'enregistrer mes pas, en train d'enregistrer les oiseaux. J'ai enregistré Léa, je deviens un fou de l'enregistrement. Et je me souviens amusé aussi à éditer au montage son, parce que j'ai découvert c'est déjà très agréable comme activité, mais aussi ça te fait écouter la personne d'une façon complètement différente. Tu écoutes, comme Karine disait avant, les silences, tu écoutes beaucoup de fois les mêmes morceaux, parce que tu dois couper certaines parties pour élever le bruit. Donc, tu finis par connaître les expressions sonores de la personne par cœur. Et tu découvres des façons de s'exprimer que tu ne vois pas forcément quand tu parles naturellement en direct avec la personne. Et Karine utilise une expression que j'aime beaucoup, c'est que quand tu fais les montages, tu vois les sons. Tu es en train de voir les sons vraiment. Déjà parce que tu vois la courbe sur les logiciels de montage, mais aussi tu écoutes les mêmes morceaux tellement de fois que tu finis par les voir, par l'imaginer dans ta tête. Ça devient palpable. Ouais. Et j'ai adoré ça vraiment. Pour moi, c'est la révélation du projet. Mais bientôt, on fera notre podcast sur la gastronomie, Alfonso, quand on pourra tous se retrouver autour d'un repas. Voilà. Oui, mais ça c'est clair qu'on doit finir les projets, les processus avec ces repas
On va pouvoir se rencontrer tous autour d'une assiette, c'est clair. Je ne sais pas, Marie-Pierre, si vous voulez ajouter quelque chose ou si le reste de... I don't know if you want to say anything. Yes, maybe I would like to add something because, I mean, I'm super impressed about your work. As Aurora, didn't understand everything that you were talking about. But since we are, and Alfonso knows better, we are working on similar somehow territories. I host also the rural parliament in Greece, and I was impressed about the way that you approached this topic. I love that you didn't have to translate your interviews, because for me it's also interesting this idea of parliaments to include different voices and be diverse as much as possible. And I have the feeling that, like, speaking the same language, it doesn't mean that, or understanding everything doesn't mean that it's open and diverse. So for me, this aspect was very interesting. I love the way that you approach the idea of confinement being in a rural area. And this is what I wanted to ask you. How was actually for you, the four of you, this idea of living in a rural place during this period? And the difference, I would say, between the living in an urban place, or if you have thought about this, or if it's something that you were discussing and I didn't get, maybe. but yeah, thank you for this. It was really, really eye-opening. I want to see all the other podcasts. Thank you, Christina. For me, right now, I'm very, very concerned about the lack of diversity that we have in rural areas. For me, is the topic right now. And when I think in this confinement period that we are living right now, I see that this diversity is we are losing diversity. Even if we had not so much before, you know. So that was one of the main motivation to do this project. To try to find some diversity or to rediscover the diversity that we have in the territory, because we have this diversity, but we are like in a bubble, you know, every one of us, even in cities. It's not so different from living in a city, but I think here in Arriesh, I see that being in your bubble is easier than being in your bubble in a city. So, and for me, this is very dangerous. Because you mean that you could be more alienated in a rural area, that you cannot have connections with other people. Yeah, and also because you are comfortable with that, you know, because life here in Arriesh is comfortable. You have everything you need in your close, very close environment. So you don't need to go out. In the city, I think it's not like this, you know? So, because you are comfortable here and you need to see a few people, and these people is like you, you don't need to go out. So it's like a loop, you know? And I see
right now I see these circumstances here in the territory, also in some friends that are very comfortable with the confinement finally, because their environment is so controlled, you know. I don't know, a lot of thoughts like this, but this is for me the main difference now between living in cities and living in rural areas. Yeah, Aurora? I would like to... Aurora. thanks, to thank you about the explanation of the project. And to travel to Arias these 2 hours, because during this year I miss a lot the liberty, the freedom about stay in a natural territory. I think the city is very claustrophobic because it is like a plateau of television. Everything is coordinate. You have to walk in this line and turn 90 grados, and the feeling of the nature is very very comfortable and very very clarividente, because everything is in harmonia. And in the cities, we try to make harmony, or to make the better things, but it's impossible make better than nature. I miss a lot the mountains and the and I always when I started to study architect and urbanism, always I looked the nature, because is the como se dice, verdad, the truth of the things, the start of everything. So I feel very worried about the new generation that grow in the cities, because I think in the childhood you need to discover the nature, to understand the logic sense of the physic elements, to the mathematics of everything. I don't know how to explain. It's very abstract, but I think this year is very critical to think about put the end of the this topic evolution about the growing the cities, because it's a prognostic, but don't have to be real. So we have to recuperar the little towns before we lost that. Because only 150 years, we changed every
a kind of construction in the planet. So we are in a dystopic reality now in the cities, but we need the scale of this. Thank you. Sorry, because I didn't understand everything. I only studied 2 years French, so but I'm happy to stay here with yours. It's perfect. Yeah. Christina. Thank you, Karin. What I want to say is that I completely agree with Laura. And that's why I think the topic of your parliament is very interesting, specifically in this period, like you are dealing with the rural environments in the times of confinement, because I have the feeling that, and it's been a reality among us. I mean, I see a lot of people actually, as here we're an example of this, that moving away from urban environments to rural places, specifically in this pandemic. And I see also a lot of friends here in Berlin that they are saying like moving, going outside of the city. And I have the feeling, as Laura was saying, that this is a way, or this period, it's actually, I don't know, like a way or a kind of awakening to change our way of living and our way of producing and the way of consuming. And I have the feeling that we need to pay closer attention to the rural areas and to the livelihood practices, to the people that they live and have been living there for so long, and they can be in this kind of balance, as Laura was saying before, with the nature, with the animals, and like with the people around. And for me, it's very interesting to see, to understand like how the rural areas responded during this crisis, like how people from small places responded. Alfonso mentioned that people felt more alienated, that they don't have connection with each other, and this is very comfortable. And this is one problem as well, no? Because we always say like, rural areas is the best place to visit during this period, but apparently there are also some problems that we need to raise. And for me, this was very eye-opening, because also coming from a rural area and living there in the first part of the first, like, let's say, lockdown in March, we were also feeling a little bit alienated, to be honest, like apart from the other world, because this was like a small cave. However, it was this environment that it gives you the opportunity to move around and like start working with land. So I don't know, something you lose, something you get, I guess. Aurora. I would like to tell that I'm very worried too about the people who go to rural territory, but don't know the rural territory, and they arrive with the city behavior. The natural territory is very sensible. So the rural relationships and one week ago I went to the mountains next to Madrid, and it was like a tourist walk with you couldn't touch the water, and no sé, it's very strange that the
the rural tourist. I think it's very dangerous that tourist. That question. True, I totally agree. And also the idea of seeing the rural areas. I mean, rural areas is also hard, a hard place to live. So we need to understand that and not to to approach these territories with this kind of nostalgic vision and fantasy that we have in the urban, in the cities, no? Like with this pastoral view of the rural areas. I grew up in a place like this, and it's not easy at all to live and grow up there. But it's something that you get, I have the feeling, a lot of, I don't know, you feel that you are accomplishing something every day, working with your hands or working or understanding or producing your food and stuff like this, that it's something that we are losing also in this period. But yeah, I think somewhere in the middle it should be the the answer. Hola, Lea. She's listening to you. Yeah. I see. Yeah. Il y a Marie-Pierre qui faisait un bisou à Léa aussi tout à l'heure. Écoute, là, Marie-Pierre te donne un fond de beso. La maîtresse. Louiso, qu'est-ce que tu penses de tout ça? je pense que... Cette que vient de dire Christina, c'est pour moi un privilège d'avoir la possibilité de comprendre la. Oh, pardon. Sorry, I'm speaking in. Sometimes I go to France to. I think it's very, very interesting to have the possibility to learn from the both sides. I think you like this position of getting to know how to inhabit those situations and learning from both is the best situation. I lived the confinement in a very peculiar way in Mexico City, and I have this this connection, but living in the same city, even though I couldn't understand the what was going on in the next neighborhood. It was like like living in the middle of the mountains, like trying to connect to the other side of the mountain and not understanding what happened, but on the same city because of the natural, I mean, the conditions of that territory. So I know, I think the completely agree that the opportunity to get to know what's missing from the situation before on the rural areas can make you aware of what is the really what is the things that the territory it's like providing you, no, of a way you are more aware of the necessities you have and the way of living, no? And those things, like for example, for the people moving from the new rural, neo-rurales, there's a term in Spain that we find out in the Basque country, because in the Basque country, there were many people living in the cities that moved. It's very close. The city and the countryside is like almost like half an hour away. So many people move around. And I think this, with this, all this pandemic, these matters of understanding the way of living in different territories, they emerge. So people are more aware of what matters on changing your relationship with the territory you're living in, and what is the how to say the how it affects on your way of living, no? Yeah. For me, it's not like changing from rural to urban life. It's more like putting a urban way of living in a rural mode, you know, and how to adapt those situations. Sometimes that could sound like the people living in the country area, in the Basque country, when we were
studying this situation, they said, but they don't understand it. They don't know. They're not going to be happy in these territories because they don't understand these things. And when we talk to the neo-rural people, it's like, well, yeah, but they don't understand that we don't want to change our way of living. We just want to adapt somehow. But, so it's hard to get to know, to adapt yourself. Mm-hmm. I don't know. I think it's wonderful to have the possibility to learn and to be more awareness of the territory and the way we live and the relationship we have with the territory. And this is something the pandemic have como shows, like have, this is difficult to say in English, have make us more aware of it. And I think it's something great from the pandemic times. Aurora, you want to talk? Well, just a comment, because here also, I lived the confinement in Madrid, in Lavapiés, in the neighborhood, in the middle of the city center. And here we experienced the 15-minute city. This idea of Paris, like you have to have everything around you just with 15 minutes walking distance, something like this. And it was like a good test for that, as the city was not prepared for that, because for example, my office is like 20 minutes walking, something like this only. But it's a kind of a test for these kind of things. But I don't know if it would be like, I don't know, if it was like the standard for the city centers, maybe we could also boost this idea of a social bubble, as in some neighborhoods, for example, in the south of Madrid, there are different neighborhoods where people doesn't speak with the people who lives in front of the in a different neighborhood or whatever. And I don't know if this kind of projects, these kind of ideas, sounds like really nice solutions. And I don't know if maybe we can learn from rural territories in order to not make the same mistakes or export also the problems related with the short distance models. I don't know. Very interesting the debate we are creating here at the end of the parliament. I guess we should do another parliament with it. But I don't know what you see if we close the parliament here. We are out of time already. Je pense qu'on peut fermer, non? Karine, je pense que c'était riche. Merci beaucoup. Ouais. Thank you for your things. It was very, very, very interesting, really. Yeah, thank you all for participating. Thank you. We'll so much, guys. We're having Christina's parliament tomorrow. Yeah.